phase du jeu. Et donc, du coup, Ripley a trouvé pas un alien, mais un nid d'aliens. Donc, en fait, la station est remplie d'aliens. Il y en a pas un, il y en a pas deux. Il y en a vraiment des centaines, j'ai l'impression. Et donc là, ils sont tous dans la base. Et il faut que je trouve une ambulance de courte portée. Je me souviens plus vraiment pourquoi. Et il faut que j'aille tout droit. Je sens qu'ils vont sortir de partout. Alors, il n'y a peut-être pas assez de son. Comme je suis pas le seul à souffrir ici, je vais vous mettre un peu de son, tu vois. Et bonne nuit à ceux qui y vont. Désolé, je suis en plein stress, du coup je peux pas faire. Je peux plus faire d'animation, tu vois. Je suis trop paniqué, tu vois. Je crois que en fait c'est juste une zone de transfert ici, du coup c'est cool. C'est cool, il peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver d'affreux maintenant. Allez. Bon, j'ai 122 carburants de lance-flamme. C'est vraiment pas dingue, dingue, dingue. Marlow a pris une des navettes. Super, Marlow. À gérer, mon pote. Alors ici, je peux pas passer. Mais peut-être qu'avec la nouvelle technologie que j'ai, je peux peut-être passer, tu vois. Du coup, je vais essayer d'y aller tranquillement, tu vois. Mon truc de save le plus proche, il est là-bas. Ok, on va essayer. Ils ont fait une pure teuf. Ils ont fait une pure teuf, les aliens, pour la fin, là, ou quoi? Ok, on va avancer, on va avancer. On n'a pas peur. Alors, 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 alors. Ok. C'est ici où ça passe pas? Ok, c'est en feu, c'est normal. Ok, c'est en feu. Ok, donc si c'est pas par ici... Il va falloir que je passe par là. J'ai un truc de save ici. Il faut que je traverse tout ce grand couloir. Objectif numéro 1, atteindre la save. Merde, putain, c'est un... C'est un cyborg. Je savais pas qu'il allait encore avoir des cyborgs. Bon, il va falloir que je check les androïdes. Il est là. Il est où? Mais oh, comment t'as fait? Mais t'es hyper fort! Ok, 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 on panique pas, on panique pas. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité. Tu m'as vu? Ok. Ok. Ok.
Je veux juste save, moi. Ok. Putain, mais elle est là-bas, ma save. Ok. On a fait la moitié du chemin. Ok, cool. Pour l'instant, tout va bien. Mais il est là! Ok, il est remonté! Non! Jarkov qui me chante du Kyo. On a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore encore. 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 Ah, je panique. Ok, j'ai aucun endroit où me cacher là. Fuck! Ok, et je suis arrivé à trouver une ambulance. Une ambulance, moi. Ok. Il arrive ce sale bâtard. Ok. Une ambulance. Quoi, c'était de l'autre côté? Merde, mon synthoniseur d'accès est pas assez puissant. Bah oui, évidemment, tu vois. Marlo a réussi, il doit bien y avoir un moyen. Crognogneux. Mettre à jour le synthoniseur d'accès niveau 3. Il est là? Ok, j'ai rien dit. Je t'aime le jeu, tu es cool. Il est au-dessus. Je crois que je l'ai... Je te fais pas confiance, tu vas descendre pendant que je fais le truc. Ok. Panique pas. Les coordonnées sont déjà dans le système, appuie sur le bouton. Et toi? Me cache, m'en fous. On s'en fout de lui. Tu vas pas me dire que c'est la fin du jeu, ça. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Non, j'y crois pas. Essaye de me la faire à l'envers. Mais c'était pas une navette pour fuir? C'était un putain de tram? J'ai pris un tram? Tu déconnes? Ok, je me shoot. Parce que j'ai vraiment les boules. Ok. Cocktail Monotov.
Molotov, j'ai assez. Ok, c'est toujours cool d'en avoir un drab. Du heal. C'est toujours cool d'en avoir un drab. C'est dingue, hein. Je voulais pas faire pipi pendant tout le live. Et là, maintenant, oui. À peine. Rip, tu me déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. J'ai... Moi, je voulais partir d'ici. J'avais une navette. J'avais une navette, je pouvais partir. Ah, explorer l'année Sidora. C'est l'autre, vaisseau, je crois. C'est l'autre vaisseau qui s'est amarré, il me semble. Ok, est-ce qu'on a une carte? Ouvre-toi, petite porte. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça ressemble à des aliens. Ils ont fait exprès, tu penses que ça ressemble à des aliens? Vraiment, on dirait la tête de l'alien. À moins que ce soit moi qui soit parano. Mais moi, je vois la tête de l'alien. Alors qu'en fait, bah, c'est juste ça. Mais de loin, tu dis, je suis foutu. Putain. C'est fait exprès, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Quelle bande de bâtards. J'ai ma touche Z qui a un bug en plus. Des fois, je suis obligé de rappuyer dessus pour avancer. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Si j'utilise le bouton, il y a une dinguerie. Ok. Nickel. Pipou, pipou, pipou. Ah, je pense de savoir d'où ça vient, ce problème de bug. Attendez, hop, je vous abandonne juste 2 secondes. Parce que je dois avoir trop de fenêtres et le Discord ouvert sur mon même moniteur. Ok. Ok, ça a l'air cool. Non, je suis plus dans le jeu. Je suis dans le jeu? Oui. Alors, signal détecté, Marlowe Est, on a dit qu'il venait d'approcher une sorte de signal, Lewis essaye de le décoder pour moi, il pourrait s'agir du Nostromo, veux-tu venir voir de tes yeux? Rapport technique, Marlowe, j'ai eu du mal, j'ai eu pas mal de boulot à faire sur les moteurs sous-lumineux, ce vieux coucou faisait un tel boucan, ça m'étonne qu'il soit resté en un seul morceau après la dernière escapade, pour l'instant ça a l'air de tenir à peu près, on a un code, de tenir à peu près, mais il va falloir faire une revision totale. D'ici peu. Pour les systèmes centraux, si on continue à l'épuiser comme ça, on va devenir l'unique équipage à faire du stop en espace lointain. C'est un boulot qui va coûter cher. Alors vous ferez mieux d'avoir blablabla code 4510. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Nix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser... Salut Omegatron, bienvenue à toi. C'est le vaisseau de Marlowe, c'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Nix s'est pris un pain. Donc, je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais s'il se doute d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je veux rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. Ok. Et... voie sans issue, on est d'accord. Voie sans issue, mais j'ai chopé un code. J'ai chopé un code. Il est là. Non, non, j'ai fait une erreur. Non. Ok. Démarrer le générateur. Démarrer le générateur, mais tu déconnes, mais les générateurs ça fait du bruit.
Allez, on essaye, hein. On a qu'une vie. Oh, y'a la fond. Quel merdier. Allez, tu ouvres ta porte là. Ok, je pense qu'il va rien se passer en fait. C'est juste fait pour que j'ai peur, tu vois. Méchant. Je croyais qu'on était potes, Marlo et moi. Ok, du coup, il faut que je parte pas du tout par ici. Mais il y a une save. Donc, Marlo, c'était pas le mec qui était en... C'était pas le mec qui était en tôle à un moment. Et du coup, il y a eu un flashback. Il me semble. Si, c'est lui. Hein. Il reste encore pas mal de places de dispo. Réglé. Marlon m'a appelé. Il avait promis de donner toutes les infos qu'il avait sur la créature pour que je les rapporte à la compagnie, mais... Taylor ? Taylor ! Marlon, qu'est-ce que tu fous ? Ce que personne n'a jamais envie de faire. T'as qu'à venir me chercher, Réglé. J'ai quelque chose pour toi. Absolument horrible, j'ai un bug avec mon Z. Et je pense que ça vient... Excusez-moi, hein. Mais ça vient peut-être, je sais pas, peut-être en plein écran, tu vois. Ok, donc en plus, il y a des bouffeurs de tête. Alors, est-ce qu'on a des codes ? Marshal White de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de ladite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Oui, terminé. Tout va bien, tout va bien. Alors. Allez, les lumières pas du tout creepy. Superbe. Pas l'air d'avoir d'aliens dans le coin en fait, mais ils ont... Ils vont arriver le moment où je vais me sentir le plus en sécurité. Déjà, il y a des bouffeurs de tête. Donc s'il y a des bouffeurs de tête... J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Je l'ai amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un tas de règles en l'absent monté à bord. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con. On peut pas vaincre cette chose, Ripley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection. S'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais. Parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne le saura. Je ne le permettrai pas.
Ok, c'est au bout. On a pas d'endroit où se cacher. Non, pas d'endroit où se cacher ici. On a un truc de save. C'est le terminal du coup. Consulter la boîte noire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pip, pou, pou, pou. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie. J'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et on a trouvé une créature extraterrestre. Non. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. C'est pas la voix, ouais, de... C'est pas la VF de Sigourney, ouais. Tout à fait. T'aurais été marrant. En VO, c'est la sienne ? Ah, trop bien ! Ah, ils ont poussé le truc au bout. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe ? Non, Marlo ! Maintenant, tu comprends ce que je fais. Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire ! Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça effacera pour de bon toute trace de la créature. Il est chaud. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je peux pas la laisser survivre. Et je laisserai pas la compagnie mettre la main dessus. Salut Léoni Wolf. Bienvenue à toi. En vrai, bah, c'est une solution comme une autre, mais bon. Tu tues tout le monde, quoi. Arrête ! Arrête ça, Marlo ! Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait ? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature ? Personne ne peut savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station ! Marlo ! Mais il n'y a pas Foster ! C'était ma femme ! Je l'aimais ! Et je l'ai tuée ! Oh la vache ! Clé à molette. Je crois qu'il est trop tard. Il l'a enclenché ! Il l'a enclenché ! Taylor ! Je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention, réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvé. Là, c'est mieux. Désolé, hein, il y a une explosion nucléaire, mais je prends mon temps. J'essaie de trouver ce qu'il faut faire. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois ? Je ne tombe pas. Il y est. Fais-moi confiance. Tout va
va bien. Tout va bien. Essaye de faire des trucs. Ça va bien se passer. À trouver. T'as trouvé? Ah mais c'est moi! Ah c'est moi qui ai flingué la séquence. Ok, c'est de ma faute. Mais les aliens sont morts, c'est vrai. C'est peut-être la vraie fin et tout. Et elle m'a pas... Je trouve pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est pour ça que je me suis fait avoir, parce qu'elle a dit je le trouve pas. C'est ça. Ah ok. Bah vas-y. Ah vas-y. Pourquoi ça marche pas? Ah non hein. J'appuie sur A, y'a rien qui se passe. Non, je vais courir encore une fois parce que ça marche. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Un bug? Kaboum, ça a bugué. Ok, changer la partie. Bah décidément, il veut pas que je passe cette séquence. Il veut vraiment pas que je passe cette séquence. Le jeu décide de la fin, ouais. Et merci Nanonins pour ton resub des 3 mois, merci beaucoup. C'est ça. Et Viper Games aussi que j'avais pas vu. Merci pour ton Prime, merci beaucoup. Arrête de bugger hein. Nani. En fait, il le prend et elle le descend toute seule. L'animation, elle le descend toute seule. Et je sais pas, peut-être que... Fin du jeu, hein. Bon, bah désolé, hein. Sinon, je vais éteindre le jeu. Je vais éteindre le jeu et recommencer le... Ouais, bah là je vais réessayer une dernière fois, mais sinon je relance. Super, tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Je ne trouve pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Si tu restes collé à la machine... Ouais, je vais essayer coller à la machine. Hein. Allez. Ok, c'est là, ça marche. Oh putain, mais je me fais avoir par le temps. Putain, je suis vraiment une bite. J'étais en stress à cause du bug. Je me fais niquer par une séquence toute conne. Fait niquer par une séquence toute conne, ça me rend ouf, tu sais. Ok, là je me colle. Vraiment, je me colle de ouf. Tu t'en sors bien, Taylor. Putain, mais j'en peux plus, quoi. Terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Je ne trouve pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Putain, mais bordel! Je suis mauvais!
Allez, 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 j'ai pas envie de le refaire encore une fois. J'ai vraiment pas envie de le refaire encore une fois. Je suis mauvais, ouais, j'avoue, j'étais mauvais là-dessus. Oh putain, ça réussit. Attends, il se passe quelque chose. Je comprends pas. Chute des systèmes primaires. Échec total de la cascade du système. Oh putain, Marlo a amorcé une surcharge. Le vaisseau va tomber en morceaux. Attention, chute des systèmes. Attention. Bon bah bye hein. Ah mais s'il y a un alien. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'alien hein. Quel merdier, quel merdier. L'avantage c'est que les aliens ils aiment pas le feu donc ils devraient pas venir. Bon bah c'est bel et bien pas la fin en fait. C'est jamais fini. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance sous tutelle à Marie est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Ok. Ok. Est-ce qu'on a une save dans le coin? Non, on n'a pas de... Paul, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminé. Allez. Courage, courage. Et bonsoir, Shadow. Salut. C'est là où elle utilise tout son matos et tout. Tout son matos qu'elle a bien farmé pendant tout le jeu. Elle est super fière de nous le montrer. Bienvenue chez Sixon Communications. Y'a pas une save dans le coin? Veuillez vous enregistrer auprès de la réception. Et une carte. Ok, cool, cool, cool. Alors, trouver Ricardo. La première save, elle est ici. Donc, il faut que je passe tout ça en espérant qu'il n'y ait pas de zinzin. On a de la compagnie. La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes et Furax, j'ai dû me bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les humains? Tout le monde veut me tuer. Ok, ils sont trois et ils sont dans cette salle. Il y en a un qui est en post-traumatique. Ok, bah je vais le laisser tranquille. Merde, 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 merde. C'était quoi ça? Aïe!
Et merde, il est là. Bah oui, je vais claquer. Bah oui, évidemment. Vas-y, là. Bon bah ça, c'est de l'infiltration, mon petit pote. Ça, c'est une voie sans issue. Ok, on a même pas un petit conduit, histoire de... Non. Tous les tuer, ça va quand même être... Mais je brûle ici, là. Ah mais putain, mais ils sont partout. Bon, elle est vraiment pourrie cette séquence. Je mérite de mourir en vrai. Stabilisateur orbito opérant à... Oh, mais ils sont 1000 milliards, yo. Vas-y, bouge pas, tu sais. Mec, ça fait du bruit quand même ce que j'ai... Ça fait du bruit ce que j'ai balancé. On s'en fout, tu sais. Ok, il est bugué. C'est pas possible. Il est bugué aujourd'hui, le jeu, ou quoi? Bon allez, fuck hein. Allez. Merde, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais sauvegarder. Même si j'ai fait de la merde. Merde, il est là. Et ça, je vais te dire bonjour mon petit pote. C'est pas vrai! Je suis pas là pour vous tuer, putain! J'ai perdu tout mon heal. J'ai vraiment perdu tout mon heal. Parce que j'ai fait un putain de massacre, tu sais. Bon, c'est pas grave, on est en live. Si je jouais tout seul, j'aurais rechargé la partie. Mais fuck. Et en plus, je vais pas du tout dans la bonne direction. Je vais vraiment pas du tout dans la bonne direction. Et mon clavier, il bug encore, ça me rend fou, tu sais. Ok, donc ça devrait être par là. Aïe! Bon sang! Il est chaud, lui! Il est chaud. Ah, c'est mon dernier mini. Je suis vraiment une mauvaise personne. Je fais de la merde. Bon. Au moins j'ai de la munition. Et je crois que là ça... Ouais, c'est rien ça. Je l'avais déjà fait, ça il me semble. Ok, le routeur. Qu'est-ce qu'on a dans le routeur? Si
système de haut-parleur actif, éclairage actif. Ah, je pourrais couper l'éclairage. Non, non, couper l'éclairage. Voilà. Ok. Bon, et maintenant, le jeu me dit, va par ici. Ouais, donc si, c'était bien là où j'allais. Hein. Il me semble, hein. Mais je le repérais pas sur la map, mais pourquoi pas. Ok, on a plus du tout d'éclairage. Je suis pas du tout au bon endroit. Alors le jeu, dis-moi où tu veux que j'aille. Moi je te suis. Ok, c'est par là. C'est par là. Quoi, bip. Ok, ça devrait être par là. Ok, Samuel, mon copain. Il y a un truc que je peux utiliser. Arrête de bugger ça, le clavier. Ripley. Ça va? Écoute-moi. Les permissions de Marlow sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. En vrai, je vais relancer mon jeu, hein, je pense. Une fois sur trois, mon Z, il marche pas, tu vois. Est-ce que j'ai pas un truc de save, là, histoire que je relance mon jeu, s'il vous plaît. Stabilisateur orbito opérant à 40% avant chute. J'appelle un ascenseur, généralement, dans ce jeu. Non, ok. Mais c'est pas par là en fait. C'est par là. Si, si, c'est par là. Okay. Ah là là, mais. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou ce truc, ce bug. Alors, je vais sauvegarder, je suis désolé, je vais relancer le jeu parce que c'est super relou. Parce que une fois sur trois, quand j'appuie sur Z, je suis obligé de réappuyer dessus parce qu'il veut pas... qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Ta-ta-ta-ta-tam, pam. Je pense que c'était une histoire de fenêtre. Excusez-moi, ça sera vite réglé. Tac, 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 ok, ça devrait être bon, désolé, hein. désolé, isolation, tu es là, j'essaie de me trouver, c'est ça en fait, j'essaie de me trouver des excuses peut-être pour ne pas, pour ne pas finir sur Alien Isolation, je suis là, ah non, c'est bon, soit je bug ce soir, ça bon, ça va, ça suffit. Ça suffit. Allez, j'espère que ça va pas le refaire. Et salut Red Army, bienvenue à toi. Du coup, ça m'a un peu sorti du jeu, cette histoire de bug. J'espère que ça a pu le faire. Alors, trouver l'observatoire Sébastopol. Putain, ça le refait. Ça le refait, je suis fou. Je suis fou. Vidéo. On refuse l'accès. C'est des codes encore une fois. Ok. D'accord.
Alors là, il y a des types. Oulala. Donc, trouver l'observatoire Sébastopol. J'étais déjà venu ici dans cette zone. Il me semble qu'il y avait des tunnels où je pouvais rentrer dans les canalisations. Vas-y, on va essayer par là. Cool. Ok, ça a l'air d'être safe par ici. Je vais utiliser mon soudeur ionique. Alors. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'alien. Donc moi, ça me va. Merde, copain. C'est mal passé pour toi. J'étais pas au bon endroit. Si, si, j'étais au bon endroit. Qui me dit... pont d'observation. Ah, il y a une... Il y a une échelle. Alors, j'essaie de voir s'il y en a pas qui grimpent à droite, à gauche. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ah, d'accord. Touche des déplacements, entrée pour confirmer. Ah, mais le hover machin, faut pas que je le fasse. Je le fais pour la fin. Ok. Ok. Pour contrôler l'alignement de l'amarrage, appuyez sur entrée pour engager. C'est bon? Ok, c'était bon. Il va avoir une dinguerie, c'est sûr. Ils vont en mettre un sur la coque. Même pas? Ok, cool. J'adore ce truc de SF des années 80, tu vois. Alors, les ponts, ils sont alignés? Bah oui, c'est aligné comme ça. Boum, allez. Voilà, nickel. Enfin, Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le torrent manuellement. Ok, je vais dehors. Dehors? On va dehors? On va dehors, dehors. Genre, ok. Très bien. Très bien, Ripley. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une save. Ouais, ça serait cool, mec. Celui-ci, là? Ok, cool. Allez. Donc là, il y a des types. Allez, on va dehors. Et bonsoir Mimimili, bienvenue à toi. Je regarde si j'ai encore le bug. C'est pour ça que je fais des déplacements tout pourris, hein. Mais vous inquiétez pas. C'est pas que j'ai craqué, c'est que je regarde si j'ai encore le bug. Mais non, ça a l'air d'être passé. Avec le mode fenêtre.
Et on va sauvegarder. S'il y en a dans l'espace alors que je suis tout lent et que je peux pas utiliser mes armes parce que je suis en combi, ça va me faire craquer, tu vois. On est d'accord, je peux pas utiliser mes armes. Allez. Ah, trop bien ça. Trop bien. Ah mais je peux pas courir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'entends rien. J'entends rien, je suis dans l'espace. Ok, j'ai une carte. Ouais, j'ai quand même une carte. Une carte dans l'espace, mais personne m'entend crier. Je peux pas courir, je peux pas rien faire. Il y a des vieux effets de lumière, on dirait que ça va m'attaquer sur le côté, tu vois. Et c'est fait pour, bien sûr que c'est fait pour. C'est stylé, ouais. Pauvre replay, quoi. De toute façon, les pauvres gens dans les aliens, c'est toujours compliqué leur vie. Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dis donc, je sais pas où ils sont. Il fallait que je revienne. Ah merde, j'ai fait de la merde. Ah zut. C'est beau, mais c'est... mais c'est loin. Le terminal, je l'ai pas vu, le terminal. C'est lui, le terminal. Ok. Il est bien caché, ce terminal. Verrouillage du serveur. L'antenne parabolique est actuellement en position fixe. Putain. Ça va, j'aimerais bien t'y voir, tu vois. J'aimerais bien t'y voir, hein. Console d'annulation, je suis dans l'espace. C'est le merdier, j'ai super froid. J'ai pas de lampe torche, bien évidemment. Tu vois rien. Hein. Ok. Allumer le décrochage de la pince. Ok. Décrochage de la pince. C'est parti. Mais c'est tout pété ici, je te jure. Rien qui vote, ça. Ah bon? Ah vache. Pensez aux épileptiques. Ok.
toujours pas bon. On a ici. Ok. Je l'ai allumé ton décrochage de la pince. Ah, enfin. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Tout va bien. Ok, tous les capteurs sont ouverts. Nickel. Je peux remonter au terminal, j'imagine. Bien ce que me dit le jeu. Oui, le jeu me dit ça. Alors ça claque quand même. Hein. En termes d'immersion, c'est vraiment là. Ok. Le terminal pété. Pas du tout. Lui. Ok, c'est lui alors. Puissance faible. Ok, il y en a un autre. Lui. Ok, lui il est pété. Bon ça. Bon ça, y a rien qui va. Ici. Non. Non. Mais. Entrer les coordonnées manuellement. Mais pour moi, c'était là, tu vois. Là. Non, j'ai rien. Et là. Et là, j'ai rien. Oh non! Eh ben, c'était re-en bas? C'est en bas? Le jeu m'a menti? Ou il y a encore un bug? Faut pas prendre l'ascenseur. L'ascenseur, il peut pas. Il peut pas être activé. Il me semble. Puissance faible. Est-ce que tu as les coordonnées? Bah non. Non, non, non. On m'a juste dit d'actionner les trucs en bas. Mais c'était sûrement en bas, alors. C'était sûrement en bas. Ah, oh, c'est si long. La carte te dit au bout. Non, la carte, elle me disait de revenir en arrière. Elle me disait de revenir en arrière là où j'étais, mais effectivement, faut peut-être que je mette les informations des coordonnées en bas, mais il me semble qu'en bas, c'était juste des leviers. Mais j'ai peut-être loupé un terminal. C'est bien un truc que je sais faire, ça, louper des terminaux. C'est peut-être ça, ouais. Ça, ouais. Ah ouais, ouais. Ça a bien l'air d'être ça, ouais. Ok, repositionne l'antenne. Ça, c'est chouette. Donc là, je pense que je peux remonter en haut. Ok, donc là, le jeu me dit entrer les... Ouais, ok. Donc là, j'ai plus qu'à entrer les données manuellement. Et c'était les données, si j'ai bien compris, c'était en haut. Et salut, Niaman. Bienvenue à toi. Allez, les coordonnées. Allez, je me traîne le cul. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi?
que j'en sais les coordonnées. Entrer manuellement les coordonnées. Mais tu me les as données ou quoi? Ah, coordonnées, attends. Ah. Entrée coordonnées 45 A. Ah. 35, pardon, qu'est-ce que je dis? 35. Ok. Cool. Quoi? B 75. Ok. Pipou, 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 pipou. Ok. Nickel. Et salut Captain Morgan, bienvenue à toi. Ça c'est de l'antenne. Ok. Je peux me barrer d'ici ou quoi? Ok. Eh ben on va faire de l'ingénierie, hein. On va activer des plateformes et des machins et des bidules. C'est pas notre métier à la base. Parce que notre métier à la base c'est pas de tuer des aliens. C'est d'être ingénieur. Allez. C'est loin. Donc faut que je refasse tout le chemin de retour. Trop bien pensé ça, le truc qu'il y a les, il y a les débris qui te tapent sur le casque et sur la combinaison et qui fassent du bruit. C'est vraiment super bien pensé. Une longue ligne droite comme ça, je me dis qu'il y a forcément une dinguerie, tu vois. Alors bien pensé, mais en théorie, ça lui passe à travers. Forcément, ça dépend de la vitesse, j'imagine. Après, je suis pas un pro hein, là-dedans, mais ça dépend de la vitesse de l'impulsion de l'impact. Parce que l'impact dans l'espace, il... Vous l'avez vu l'alien? Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? Vous avez vu l'alien? Ah, je l'ai complètement pas vu. Moi, j'ai bien fait de pas l'avoir vu, ça m'aurait terrifié. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je l'ai loupé. C'est pas grave. On va le laisser de son côté. Il est très bien là où il est. Ah, je ferai pas un bon éclaireur, hein. Vous avez vu un alien? Non, non, c'est bon, on peut y aller. T'inquiète, il va rien se passer, c'est cool. Allez, on est reparti. Bye bye, Ricardo. Alors là, il y a encore des humains. Ce qui est quand même relativement bizarre. Ok.
Y'a un trou? Y'a un trou dans la coque? Ok, ne cache-toi pas ici, toi. Ok, ok, il faut que je traverse tout ça. Tu déconnes, putain. Et ah. Ah, vas-y, bouffe-les. Hein. Bouffe-les. Allez, bouge. Cool, 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 cool. Il peut me voir à travers les grilles ou pas? Il est aussi puissant que ça ou pas? Mais JPP, hein, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Hein. Je vais vous abandonner deux secondes. En même temps, il est minuit passé, c'est normal qu'il faut que j'aille aux toilettes. C'est pas parce que le jeu est effrayant, tu vois. Un petit peu quand même. Je vous laisse juste une petite minute. J'arrive de suite. Ok, nous revoici les chatons. Vraiment, il me fallait cette petite pause. Hop, nickel. Bon, on en est là. Merci, merci pour le GG. Ça peut passer, tu vois. Ça peut. Je sais pas si ça passe, en fait. Il me faudra un émetteur de son, mais je crois que j'ai plus de quoi en fabriquer. Ah, quoique... Oh ben, autant pour moi, il est retourné dans les canalisations. Par
porte fermée. Bah ouais, porte fermée, mais... Ah oui, mais parce que je vais pas au bon endroit, en fait. C'est tout droit qu'il faut que j'aille. Ok, je suis hyper mal placé. Il peut bondir de... à peu près n'importe où. Ok. Donc là, il y a un truc pour save. Ok, on va save. Merde, il arrive! Non! Ah! Foiré. Oh. Ok, j'ai plus de munitions pour lance-flammes. Mais j'ai cocktail Molotov. Et ça, c'est cool. Vas-y, il fait un bordel de dieu là. Ricardo. Oh non. Ah, bouffeur de tête. Ricardo. Il s'est fait bouffer la tête. Alors là, je suis complètement paumé. Le jeu me dit d'aller par là. J'imagine que j'ai un passage par ici, là où il y a la save. Allez-y, on va essayer. Non, non, calme-toi la musique. Mais pourquoi? Pourquoi une musique? J'ai entendu, mais je sais pas où il est. Faut que je descende par les escaliers. Ok. J'entends. Je l'entends, mais je sais pas où il est. Ah, vache! Ok, il faut que je traverse tout ça. Arrière, vil démon! Ok. J'arrive pas à savoir s'il est tout seul ou pas, mais j'ai l'impression qu'à ce stade du jeu, ils sont pas tout seuls, ils sont plus...
Je vais pas y arriver, hein. Vraiment pas y arriver, hein. Putain, mais j'ai mon Z qui bug en plus, bordel. J'avoue, ça aurait pu être l'arnaque du siècle. Elle était trop bien, cette arnaque. Mais il est sur moi. Il est où? Il vient. Ok. Lance-flamme, j'ai plus rien, quoi. J'ai vraiment plus rien. Ouais, voilà, je suis officiellement à poil. Hein. T'es trop con, toi! M'a tiré dessus! Il m'a sauvé la vie, en fait, ouais. Mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Mais il y avait de l'idée, tu vois. Encore un ascenseur, mais c'est pas possible. J'en veux plus. Tu vas claquer. C'est quoi votre problème? C'est toi, toi? Non, me tire pas dessus! Mais sois cool! Mais sois cool! Mais il l'a fait popper, c'est ça le problème. Dégage dans tes canalisations. Pars loin, mec. Pars loin. Moi, je veux sauvegarder en paix. Technique de filou niveau 3 ou quoi ?
Mais dégage! Ah, non, c'était du beau jeu. Non, je pourrais lui balancer un molotov, mais j'en ai... Ah... Voilà! T'es barré! Je pourrais lui balancer un molotov, mais en vrai, je sais pas ce que me réserve la fin du jeu. Enfin, je suis dedans, je pense. Et déjà que j'ai plus de lance-flammes, alors si je commence à balancer mes molotov dès qu'il y a un souci, je vais être un peu embêté. Et là, du coup, il faut transit. Tour d'habitation, rétablir le courant. Mot de passe requis. Père, tu déconnes là ou quoi? Ok. Vas-y, j'essaye quoi. S'il arrive maintenant, je suis foutu. Avec mon Z qui bug en plus. Allez, super. Mais... Mais... Ok, j'ai ramassé de l'éthanol. Ça, c'est cool pour faire des molotov. Ah! Arrête, arrête de stresser. Éthanol. Cool. Bon, le cocktail molotov reste ma meilleure arme, du coup. Putain, il me faut des mélanges B, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? et c'est pas 15. Parce que t'es stressé et tu lis les chiffres à l'envers. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez. Cool, 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 cool. Ok, il y a une save. Ouais, save. Même si on a save, il y a littéralement 2 secondes. Mais je sais pas, ça rassure mon cœur. Mon cœur blessé. Du coup, la prochaine mission, c'est... Transit, pont d'habitation, rétablir le courant. Ok, on en est toujours là, tu vois. Rétablir le courant, mon cul, ouais, y'a rien. Non ! Alors ça... Alors ça, ça c'est un move de bâtard. Placer un bouffeur de tête juste derrière. Surtout que je peux pas me battre avec mon lance-flamme, j'ai plus de munitions. Donc du coup, soit je place le clé à molette hyper bien placé, soit je meurs en fait, c'est ça l'idée ? Parce que si je tire, moi je veux bien tirer, mais si je tire, l'autre il déboule, il va me déboîter. Attends, mais il n'y a aucun autre moyen de gérer ce truc ? C'est possible de les tuer à la clé à molette ? Ou...
Trop rapide. Trop rapide. Ouais, mon lance-flamme est vide, hein. Mon lance-flamme est bien, bien vide. Alors ça, c'est bien relou, hein. Parce que même si je fonce dans la pièce, je pourrais me cacher sous le bureau éventuellement. Mais il va me trouver, l'alien, c'est sûr. Vas-y, on essaye, on est des dingues. Alors, j'imagine que le jeu avait prévu ça. Que tu n'aies plus de munitions. Et que tu puisses pas le tuer, je sais pas. C'est bizarre que l'alien, il est pas popé, en fait. Je suis arrivé ici quand ils étaient en train de sceller le sanctuaire. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Peut-être à ce qu'ils changent d'avis et me laissent entrer. Peut-être à ce qu'ils me descendent comme ils font à tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Ils m'ont fermé la porte au nez. J'entends du mouvement à l'étage en dessous. Sneak 1000, ouais. Sneak 10 000. Ah, grave. Là. Ça, c'est de. Ça, c'est de, la, de l'infiltration, ouais. Il est là. Ok, quand ça va l'appeler, il va venir, c'est sûr. Non. Il vient pas. Il est peut-être en grève, ouais. Moi, ça me va, hein. Je crois qu'il met un temps... Il met un temps monstre, l'ascenseur, à arriver. C'est pour ça que j'attends ici comme un... Comme un homme courageux. Ah, c'est derrière moi. Évidemment. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. Vas-y. On attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Encore des trucs à faire, mais putain, mais laissez-moi. Je encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Du coup, faut que j'aille là. Terminal des vols spatiaux. Ok, c'est parti. Évidemment. JPP, putain. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Mais ce jeu va me traumatiser jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Non. Meurs! J'ai pas envie de tirer! J'ai pas envie de tirer! Je vais être obligé de tirer! Je peux pas te tuer! Ça va faire du bruit!
Mais meurs! Ah, vas-y! Et c'est qui ce sac à PV? Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable stratégique. Oh là 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 là, je meurs comme ça quoi, tué par un mob pourri, tu sais. Et la fin du voyage pour moi. En vrai, je vais charger, hein. J'ai plus de vie, j'ai plus de... J'ai plus rien. Non, plus rien. Ah mais merde, j'ai chargé là. Oh non, ça va être si long. Désolé les chatons. Je croyais que ça allait charger en bas, mais j'avais oublié de sauvegarder en bas. Vous pensez qu'il y a moyen de faire ce jeu en no hit? Je pense que oui, hein. Genre ne tirer sur personne? Ni l'alien, ni des humains? Il y a moyen que oui. En vrai, c'est la première fois que je le fais, mais je suis sûr que ça se fait. Après, je pense que c'est galère de tirer sur personne. Mais je pense que c'est possible. Mais oui, mais j'allais... Je pensais que j'allais le tuer en 2-2, ce cyborg, cet androïde, pardon. Mais ouais, je comptais prendre les conduits. Tirer sur personne, c'est impossible avec les facehuggers. Ah oui, c'est vrai. Après, est-ce que c'est vraiment des personnes, tu vois? Attends, mais je suis où, là? Ah oui, je suis là. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du corps. Le type, il court, il en a rien à foutre. Complètement zazot. On attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Ouais, je vais safe, vous inquiétez pas. Merci de me le dire dans le chat. Mais cette fois-ci, je me fais pas avoir deux fois. Il y a un problème de cadrage, vous voyez plus ma barre de vie? Ah bon? Attendez, c'est peut-être à cause de le truc... peut-être à cause de ma vidéo. Ah oui, c'est mieux. Je croyais que c'était à cause de ça que mon clavier il buguait, mais... Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. C'est une voie sans issue, bon sang. Ah, je me suis bien fait baiser, tu vois. Je sais pas où est passé le... Allez, fuck. Alerte. Il est derrière moi. Rendre à votre point d'évacuation respectif. Et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Il est derrière moi, il y a déjà un mec qui me suit. Fuck, je suis hyper mal placé, quoi.
Allez, 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 allez. Non, y a rien pour ouvrir. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Ok, 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 ok. Abandonnez la station. On est bloqué d'ici. Je vais vous attraper. Putain, et l'autre, il arrive dans le dos, là. Ok, 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 quelle est... Quelle est ma solution? Un conduit au sol? Un conduit au sol? Mais merde, il a une combi de ski! Moi, ça passera jamais, tu vois. Ça passera jamais. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Je crois qu'ils sont en train de tailler une bavette. Qu'êtes-vous? Il se parle. Qu'êtes-vous? Et du coup, il m'a oublié. Allez, bouge, bouge, bouge. Va faire ton rapport. Non, non, va faire ton rapport. Cette zone est interdite. Et je sais que vous êtes là. Vous cherchez. Vous faites perdre. Après évacuation. Mais... Il savait, il savait, il savait tout. Échec des stabilisateurs orbitaux. Donc en gros, ce... Abandonnez la station. Ce truc, il sert à rien. Il sert juste que le synthétique, il passe. Du coup, allez, passe, dégage. Oui, oui, tu m'attraperas, ouais. Mais merde! Mais comment il fait? C'est pas possible! Et je vais finir par le tuer, en fait. Mais là, il y a l'alien. Mais je suis pitos. Vas-y, brûle. Brûle, 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 brûle. Voilà! Brûle. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Au bout d'un moment, si tu brûles, faut que tu meurs, mec. C'est ta pompe, ça? Et il est là-bas. Allez, let's go. Mais non. Il est trop puissant, tu sais. Tu peux pas le clé à molette dans sa face. Il est plus fort que moi en tête-tête. Il est vraiment plus fort que moi. Vas-y, viens brûler, mec. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Sinon, ça va se régler au fusil à pompe, cette histoire. Là, tout à l'heure, je l'ai tiré au fusil à pompe dans cette zone. Globalement, ça veut dire que là, l'alien, il vient pas, tu vois. J'avais pas de clou. Ah si, j'avais un clou. Ah, dommage. C'est vrai que j'avais un clou. J'ai mon dernier clou. Je vais sauvegarder ici parce qu'il est vraiment très très chiant, ce mob. En vrai, j'ai pas envie de me le retaper. Et on va faire du tête-tête avec l'alien maintenant. Évacuer et dans cette station. Salle que j'ai pas compris d'ailleurs. Pas j'ai vraiment rien compris.
On a une salle qui est globalement un cul-de-sac. Et le jeu me dit, va plus loin. Bah, tu peux le faire, tu vois. Ouais. On va direct aller au monotaf, hein, parce que... Va dans tes tunnels, laisse-moi tranquille. Va retrouver les tiens. Tu peux pas être aussi malin que ça, mec. Il va jamais retourner dans ces canalisations, c'est ça? On va être bloqué ici pour toujours? Sinon, après, faut que je l'attaque, quoi. Il me reste 3 molotov. Ça peut passer. Mais oui, c'est un campeur! Regarde-moi ce campeur, là! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Oui, je vais l'attaquer, hein. Allez, arrête de bugger, mon Z. Ah, mon petit pote! Ça s'appelle du whisky! Bon, maintenant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait, bordel de cul? Ça s'est bloqué, il y a des fils. Ok, il y a des fils, c'est les fils, faut que je suive les fils. Bon sang de Dieu. Ok, il me faut une carte magnétique. Ok, elle doit être sur un corps. Évacuer la station, ceci n'est pas un exercice. Elle doit être sur un corps, n'importe lequel. Putain! Une carte! Bon sang! Ok, la carte elle est là. Il me faut un mot de passe! Et j'y crois pas! J'y crois pas, il me faut un putain de mot de passe! C'était peut-être sur l'ordinateur. Ah, c'était sur l'ordi! Ok, j'ai pris un petit tarif, mais c'est pas grave. On s'en sort. Mais comme c'est cruel, parce qu'ici, il n'y a vraiment aucun endroit où se cacher. Hein. Allez, arrête. Arrête de me faire chier. Arrête de bugger le Z. Vite, vite, avant qu'il repop. Je vais jamais y arriver. Allez!
Il va revenir, alerte. Il va. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Allez, arrête de bugger le Z là! Vas-y, prends ton temps, ouais! Allez, mon putain de Z qui bug là! Ah putain, c'est trop chiant! Oh non, 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 c'est trop chiant, c'est injouable! C'est injouable! Qu'est-ce qui se passe? C'est pire dans les moments où c'est horrible, quoi! Oh là 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 là, je sais pas d'où ça vient, si c'est le clavier qui est mort, mais. Typiquement, il est tout neuf, quoi. Abandonnez la station. Ok, j'ai plus de heal. C'est pas possible, ce jeu. Le Z qui bug, un clavier Logitech? Non, j'aurais peut-être dû, hein, d'ailleurs, un clavier Logitech. Je sais que c'est de la bonne cam, en règle générale. Voilà, je commence à arriver à mes limites, je crois. Je sais pas si on est proche de la fin. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Ok. Trouver un autre site de chemin vers les spoils. Et on a une porte ici. On a des portes partout, bon sang. Pas du tout par ici. Je suis pas du tout au bon endroit. Par derrière. Non. Ah, ok. J'entends un truc de save, non? À droite. Ok. En vrai, ce serait bien que j'ai les trucs nécessaires pour faire un autre molotov. Il me faut du mélange B. Je serais hyper bien. Donc il faut que je passe par là, mais c'est fermé, bien évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Porte fermée, porte fermée. Le temps que je comprenne, il aura le temps de venir, l'autre sagouin. Allez, veuillez vous rendre à votre point par ici. Et attendre votre responsable. Il y avait du carburant? Vous avez vu du carburant? Je sais même plus à quoi ça ressemble, le carburant. Ça, c'est de la bière. Ah, non. Sur la table à côté de l'ordi? Bah non. Ah mais je l'ai déjà pris en fait. Je l'ai déjà pris. L'autre table? Non non, vous me faites tourner en bourrique, c'est pas possible. Échec des stabilisateurs orbitaux. Ça c'est un. Ça c'est de la bière. Et ça c'est un détecteur. Ouais, c'est un faux chat. Un faux chat. Ok, on a de l'alcool.
Évacuer la station. Carte magnétique. Carburant. Alors ça c'est cool. Ah, les putains de touches. Carte magnétique. Ok, merci le collègue. Ça devient vraiment injouable pour moi là. C'est trop bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit le clavier parce que sinon ça me l'aurait fait sur Subnautica toute la soirée et c'était pas le cas. J'ai l'impression que c'était... Putain mais... Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça a ouvert quoi, ça, cette merde là? Générateur non, non opérationnel. Il y a un fil là, il y a un fil qui part par ici. Déjà plus de carburant. Et merde. Alors, je sais pas vraiment où aller. Mais là, ça commence à être vraiment très, très désagréable pour moi parce que cette touche, elle est horrible. Je savais pas que ça marchait, ça. Ok, bon, je suis désolé, mais je vais arrêter là, parce que ce truc de la touche, elle, c'est horrible, et j'arrive pas du tout.